entendu. Continue de monter. Le courant est revenu. On peut baisser une cloison dans la salle de contrôle. Le courant est revenu. Utilisons-le. Ok. Ça ira pour l'instant. Je vérifie le système de contrôle. Merde, j'ai pas de signal. L'antenne est peut-être débranchée. Elle est sur le point d'observation. On peut peut-être la réparer. Je suis sûre que la vie est super. Ouais, moi aussi. Allons-y. Le pont d'observation. On peut grimper là-haut depuis le hall. Ça a marché. L'eau continue de... C'est bon, la cloison est fermée. On doit attendre.
sur le Queen Semiramis. Ok, bon. D'après les recherches de Quint, il y a deux bateaux. Vous devez être sur le navire jumeau du Queen Zenobia. Jill et Parker sont sûrement prisonniers sur ce bateau. Vous avez pu le localiser ? Non. Mes meilleurs agents y travaillent. C'est pas écoulé pour tout le temps, non ? Exact. Ils savaient les deux bateaux voyager peut-être encore ensemble il y a quelques heures. Bien assaut, vous les trouverez l'air. Bien reçu. De ce que Veltro essaie de faire, à part nous faire tourner en rond pour rien et nous faire perdre notre temps. Qui sait? Ils n'ont pas donné signe de vie depuis cette vidéo. Ouais, j'aime pas ça. Dépêchons-nous d'atteindre le pont d'observation et de contacter le QG. J'espère qu'ils ont au moins une idée d'où se trouve Chris. Tu as entendu ? Par ici, Jill. On monte. Parfait. On peut rejoindre le pont d'observation. Il y a un truc là-haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Espèce d'enfoiré! Dans ça! Ce truc va nous faire dépasser le maximum. Thank you.
Il est parti. On peut sortir. Ça y est, on est arrivé. Et il fait nuit noire. Alors, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Ouais, il nous a à la bonne. Espèce d'abominable saloperie. Oh, quelle nuit de merde. L'antenne est tout là-haut.
facile. On doit d'abord réparer l'antenne. On doit d'abord réparer l'antenne. L'air frais, ça ne fait pas de mal. Si j'avais su ce qui nous attendait sur ce bateau. Ouais. On n'a pas arrêté de se battre pour rester en vie. J'espère qu'on pourra faire une pause après avoir contacté le QG. Je vérifie le câblage de l'antenne. Ça devrait fonctionner. Je vais essayer. Espérons que ça marche. Ici Vermillon, quartier général. Vous me recevez ? Ici O'Brien. Vous allez bien ? On a réussi. Chef, ici Parker. C'est la merde ici. C'est vraiment le bordel. Je sais. C'était un piège. Et nous sommes tombés dedans. Comment ça ? C'est un piège. Chef, il se passe quoi, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Répondez-moi ! Restez en contact, j'ai un appel en urgence. Non, chef ! Directeur O'Brien, nous avons reçu un appel d'urgence de l'ESF. Ils ont détecté un mouvement satellite. La force de sécurité européenne ? Continuez. Oui, monsieur. Apparemment, le complexe d'énergie solaire de Terra Grigia est en cours d'activation. Alors ça y est, c'est parti. On dirait que quelqu'un a trouvé le Queen Zenobia. Alors, vous n'avez pas changé.
Parker ! QG, qu'est-ce qui se passe ? Le ciel va vous tomber sur la tête. Le complexe d'énergie solaire a été réactivé. Il vise les repères de Veltro en Méditerranée. Et ce sont les bateaux de croisière. Les satellites qui ont détruit Terra Grigia. Juste au-dessus de nous. Ils peuvent pas ignorer l'ultimatum et détruire le navire. Chef, faut nous faire évacuer. Désolé. Mais je ne peux pas autoriser ça.